Il y en a beaucoup hein, des gilets jaunes, mais ouais, ils ont pas mis les gilets justement. Je... Hier soir, il y a un protocole qui a été signé entre les syndicats de police et l'administration policière et le ministre de l'Intérieur. Un protocole dans lequel tous les policiers qui sont ici et énormément d'autres ne se reconnaissent pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a pris en compte une infime partie du problème policier et encore dans des mesures qui ne sont pas décentes. On a fait un peu le même coup finalement que pour les gilets jaunes. On a fait une augmentation très partielle du pouvoir d'achat des policiers. On a ressorti un protocole d'accord qui traînait dans les tiroirs du ministère de l'Intérieur depuis 2 ans, qui n'a pas été mis en application. On l'a un petit peu étoffé, mais en fait c'est des demi-mesures. On a aussi d'autres revendications plus profondes. Il faut savoir que dans la police, on a le taux de suicide le plus important de la population. On est le métier le plus exposé au risque et au suicide. Et si on suicide, et si les collègues se suicident et nous quittent trop régulièrement, malheureusement, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien, on s'attaque pas aux raisons de fond, on s'attaque pas aux conditions de travail, on s'attaque pas au cycle horaire qui n'est plus adapté aujourd'hui aux policiers. On demande un cycle horaire plus adapté, avec lequel on aurait des repos plus fréquents le week-end pour le passer en famille.